Alors, vous voyez, je suis à la gauche ici. Je vais mettre un petit peu de couleur. Donc, je suis ici avec ma balle de neige qui est juste là. Ce qui va arriver, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédemment, la balle, elle va suivre une trajectoire courbe, bien sûr, jusqu'à tomber à peu près à cet endroit-là. La différence entre un projectile lancé horizontalement, comme on a vu le cours précédent, et un projectile lancé de manière oblique, c'est l'angle, bien sûr, ici, que nous avons avec l'horizontale. Ça ne change en rien le fait d'analyser le mouvement en deux mouvements complètement séparés, c'est-à-dire la balle que nous avons ici, la balle de neige qui part de mes mains. Va monter, bien sûr, jusqu'à atteindre un sommet ici que nous ne connaissons pas la hauteur. Et une fois qu'elle a atteint ce sommet-là, bien sûr, elle redescendra jusqu'à toucher le sol. Ça, c'est le mouvement vertical. Pour le mouvement horizontal, ça n'a pas changé non plus. Ma balle quitte la main à un certain endroit vers la gauche et va parcourir une certaine distance jusqu'à tomber au sol, plus vers la droite. Donc, nous aurons toujours un MRUA par rapport à la montée verticale et la descente. Et nous aurons tout le long de l'horizontale un MRU. La seule chose qui change, c'est l'angle ici, qui fait en sorte que lorsque ma main quitte ma main, lorsque la balle quitte ma main, elle va avoir une vitesse initiale qui est oblique. Rappelez-vous, on a déjà fait avec les vecteurs, les composantes. Ça veut dire que lorsque je lance ma balle obliquement avec une certaine vitesse, bien, il y a une partie de cette vitesse-là, c'est-à-dire la composante X, qui sera pour le MRU. Donc, en lançant avec une certaine vitesse obliquement, bien, nécessairement, ça va lui procurer une vitesse horizontale avec le MRU par rapport au X. Donc, une certaine partie de cette vitesse-là. Et l'autre partie, vous aurez deviné, sera la composante Y. Donc, ça veut dire que maintenant, la balle, lorsque je la laisse partir obliquement, il y a une certaine partie de la vitesse qui sera donnée à ma balle de manière verticale. Donc, je vais quitter mon dessin. Je vais le laisser là. Je vais le mettre un petit peu plus à gauche. Et je vais venir mettre des données que j'inventerai, d'accord, pour les besoins de la cause ici. Donc, admettons que ma balle a quitté ma main avec une vitesse de, et j'invente là, 10 mètres par seconde, avec un angle par rapport à l'horizontale de 20 degrés. On va essayer de trouver les données. Je ne ferai pas le problème au complet, parce que vous l'avez fait avec les composantes, pas les composantes, mais le lancer horizontal. Je vais faire le début seulement. Donc, ma balle quitte ma main avec une vitesse de 10 mètres par seconde et avec un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Ça veut dire que si je prends le MRU, c'est-à-dire l'horizontale, j'aurai une composante ici, X, que je ne connais pas, qui représentera la vitesse du mouvement rectiligne uniforme. Trouvons-là cette composante X-là. Donc, je vais écrire ici composante X. Donc, j'ai mon angle à 20, j'ai mon hypoténuse qui vaut 10, et par rapport à l'angle de 20, c'est le côté adjacent. Côté adjacent, c'est cosinus. Donc, j'aurai cosinus de 20 degrés est égal à côté adjacent, c'est-à-dire X que je cherche, sur 10. Si je fais mon beau petit croisé, et vous allez m'entendre pitonner, donc 10 fois cosinus de 20, j'arrive avec une composante horizontale de 9, bon j'ai 39, je vais mettre 9,4 mètres par seconde. Ça veut dire que la balle de neige qui a quitté ma main
avec une vitesse oblique à 10 mètres par seconde, avec un angle de 20 degrés, ben, aura une vitesse horizontale de 9,4 mètres par seconde. Ça veut dire que tout le long du déplacement horizontal, j'aurai une vitesse de 9,4 mètres par seconde. Je vais maintenant me tasser un petit peu ici et je vais aller faire la composante. Tiens, je vais la mettre en bleu. Maintenant, la composante Y. La composante Y de cette vitesse-là, bien sûr, elle sera ici. C'est la même chose finalement que de trouver ma composante Y. Vous savez, hein, que Y, que je le trouve ici à droite ou ici à gauche, c'est la même chose. Vous savez que Y par rapport à mon angle de 20, c'est le côté opposé. J'ai mon hypoténuse, donc c'est sine. Je ferai sinus de 20 degrés. Ce sera égal à mon côté opposé sur mon hypoténuse. Si je fais le produit croisé, donc 10 fois sine de 20 divisé par 1, j'arrive à 3,42, donc j'arrondirai au dixième. J'ai décidé d'arrondir, donc 3,4 mètres par seconde. Ça veut dire que lorsque je lance ma balle de neige avec une vitesse de 10 mètres par seconde, avec un angle de 20, ben la balle aura comme vitesse horizontale, verticale, pardon, hein, comme vitesse initiale verticale, elle va partir vers le haut, avec une vitesse de 3,4 mètres par seconde. Ça veut dire que maintenant, dans n'importe quel problème que vous aurez, quand vous avez une vitesse oblique, vous devez bien sûr trouver la composante x en faisant bien sûr le cos, comme on a fait ici, parce qu'on sait que c'est le côté adjacent. Donc, ça donne la vitesse à laquelle la balle va quitter horizontalement ma main. Vous faites la même chose avec la composante verticale, la composante Y. Puis, bien sûr, on sait que la composante Y fait partie du MRUA parce que lorsque la balle est jetée par en haut, lancée par en haut, bien sûr, il y a la gravité qui la retient. Fait que vous avez automatiquement ici le VI de vos formules. Donc, c'est comme si j'avais lancé la balle vers le haut verticalement à une vitesse de 3,4 mètres par seconde. Bien sûr, vous allez avoir l'accélération à moins 9,8, etc. Donc, c'était pour vous montrer comment faire pour trouver justement, pour résoudre les problèmes lorsqu'on les lance obliquement. Et n'oubliez pas, ça change rien au fait que nous devons décomposer le mouvement horizontal et le mouvement vertical. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser travailler un petit peu. Moi, je vais déjà m'enregistrer en train de résoudre un des numéros de votre cahier d'exercice. Ce n'est pas Madame Edith, c'est-à-dire la remplaçante, qui va vous le présenter. Ça va faire partie de la Teams, donc vous irez la chercher par vous-même. Cette capsule-là aussi, je vais l'avoir déposée dans Teams, donc vous allez pouvoir la réécouter si vous voulez. Donc, je vais résoudre tantôt, comme je vous disais, un des numéros. Là, je voulais juste vous montrer qu'est-ce qu'on faisait avec une vitesse oblique. Donc, on doit la décomposer en horizontale verticale. Bon travail!